Les gars, et si on repartait devenir les rois de YouTube? Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis sur la map YouTuber Tycoon 3. On a déjà fait les deux premiers épisodes qui vous ont extrêmement plu. Et aujourd'hui, on est de retour pour conquérir une ville entière. Et tout commence directement avec une voiture de luxe qui nous emmène directement à notre maison. Et Zodiac, où est-ce que t'es? Oh, t'es là-bas! Comment ça va? Salut! C'est trop bien, on est juste à côté là. Ouais, c'est incroyable, on est voisins. Et du coup, ouais, pour cette aventure, je serai avec Zodiac. On va essayer de devenir le plus rapidement le plus gros des youtubeurs. Et ça commence directement, on s'achète notre maison. Bienvenue dans votre maison, devenez le plus gros youtubeur. Alors juste ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'acheter comme d'habitude un dropper. Pour rappel, l'objectif de ce dropper, oh qui drop des likes d'ailleurs, ça va être de nous faire gagner de l'argent pour qu'on puisse derrière acheter d'autres choses, comme par exemple un ordinateur, afin de faire les meilleures vidéos possibles, de gagner le plus d'abonnés, de faire le plus de vues et de devenir aussi le plus riche par la même occasion. On est aussi en compétition avec d'autres personnes, voilà, qui sont totalement des inconnus, mais on va essayer d'être meilleur qu'eux. Et je vais directement m'acheter un deuxième dropper pour pas perdre plus de temps que ça. Alors, je comprends pas. Ah, la monnaie elle est là. Attends, t'avais pas fait gaffe qu'on pouvait récupérer de l'argent? Non, je comprends pas, je gagne pas d'argent, les gars. Ok, bon, maintenant que j'ai mes deux petits droppers et que l'argent coule à flot, je vais pouvoir déjà m'acheter mon ordinateur. Oh, et je viens de voir qu'on allait pouvoir améliorer notre ordinateur au PC Shop qui est juste à côté. Les gars, aujourd'hui, ce YouTuber Tycoon, il déconne pas. Les deux premiers épisodes étaient sortis il y a plusieurs mois. Et dites-vous qu'entre temps, ce mec a fait YouTuber Tycoon, a dû charbonner afin de faire le meilleur YouTuber Tycoon possible. Donc clairement, on va kiffer cette aventure et on peut déjà choisir ici si on veut record une vidéo ou stream sur Twitch. Moi perso, je pars faire une vidéo. Et on peut voir, voilà, je suis en train de la monter, je suis en train de la publier. Et grâce à tout ça, je devrais gagner des choses. Alors qu'est-ce que je gagne exactement? On peut voir qu'il y a plusieurs étapes. Donc j'ai fait le record, j'ai fait l'editing et maintenant je suis en train d'upload ma vidéo. Et grâce à cet upload, je viens de gagner mes premiers abonnés. Voilà, on peut voir que je commence à gagner mes abonnés. Et ça, je peux le faire en boucle du coup, et c'est beaucoup trop stylé. En plus de ça, donc pendant qu'on est en train de publier nos vidéos, on peut voir qu'à chaque fois on nous conseille d'améliorer par exemple notre wifi pour publier plus rapidement. On peut aussi améliorer notre PC pour enregistrer plus rapidement et embaucher un éditeur pour pareil éditer plus facilement. Donc tout ça, ça va être les objectifs qu'on va essayer de vite améliorer dans les prochaines minutes. Et je publie encore une fois ma troisième vidéo et maintenant on va directement aller ici. Donc maintenant je récupère mon argent et je peux directement améliorer ma wifi justement pour faire des meilleures vidéos. Ici je peux m'acheter un gamer rug. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Oh bah c'est, ouais bon, c'est une étagère mais il n'y a pas grand chose dessus, je suis déçu. Et ici je peux taper pour récupérer un abonné et un dollar supplémentaire. Alors j'ai pas du tout l'impression que c'est quelque chose de rentable, donc on va pas le faire pour le moment. Par contre, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est est-ce que je pourrais pas m'acheter un meilleur PC juste ici, parce qu'on me le propose. Alors salut, améliore ton setup ici. Attendez les gars, je peux m'acheter ma propriété pour 2 650 000 $. Zodiac, on va peut-être attendre un petit peu. Perso, là je dois avoir un millième de ce qu'il faut. Alors ici, oh, on peut s'acheter des chaises. Et la chaise la plus chère coûte 200 000 $. Ah oui. Ici pareil, on peut s'acheter le meilleur setup, avec un setup qui va jusqu'à 2 000 000 $. Non mais les gars, c'est pas possible. Déjà, est-ce que du coup je peux m'acheter un ordinateur? Ok, là j'ai un ordinateur à 3 000, je peux pas me l'acheter. Par contre, celui à 1 000, je vais me permettre de l'acheter. Et comme vous pouvez le voir, voilà, mon ordinateur vient de se transformer. C'est parfait. Ici pareil, est-ce qu'on a améliorerait pas notre tour, un petit 1 200 $ pour améliorer notre tour de PC. Et maintenant j'ai envie de voir, est-ce que avec toutes les petites améliorations qu'on vient de faire, on va déjà plus vite lors de la publication de nos vidéos? C'est ce qu'on va voir. Mais déjà, on s'achète un nouveau dropper avec nos 1 000 abonnés et le prochain dropper est à 16 000 $. On a un petit peu de temps. Allez, on repart sur enregistrer une vidéo. Et ouais, déjà ça me paraît plus rapide. Toi Zodiac, de ton côté, c'est quoi ta stratégie un petit peu? Là je vais améliorer mon PC au max, surtout avoir un meilleur PC. Mais 15 000 pour améliorer le PC, wow. Ah, tu vas économiser les 15 000 d'un coup là? Ouais, je pense, ouais. Ok, franchement je sais pas c'est quoi la bonne stratégie. Je pense que c'est la curiosité qui va nous mener de toute façon au meilleur plan. En tout cas pour le moment on n'est pas du tout premier. Il y a un mec qui a plus d'abonnés que nous deux cumulés quand même. Là il y a un problème. Le mec il charbonne de ouf, hein. Oh ouais. Je me demande c'est quoi sa stratégie pour le coup, parce que là vraiment il s'en sort beaucoup trop bien. Il fait que ça en fait. Ouais, je vois, genre il bouge pas de chez lui. Il est sur son PC là. Ouais. Ok, ok. Bon bah on va charbonner aussi un peu de notre côté alors. On peut voir à gauche nos différentes statistiques. Donc en plus de notre argent, on peut voir qu'on a bientôt les 4 000 abonnés, qu'on a posté déjà 5 vidéos et bientôt 6 dès que celle-là
sera faite, voilà, et que je viens d'atteindre les 30 000 vues. Par contre, j'ai aucun diamant et on va découvrir dans le futur à quoi ça nous sert et comment les débloquer. Allez, moi de mon côté, je vais publier encore une petite vidéo et derrière, je vais essayer de voir ce que je peux dépenser avec l'argent que j'aurai généré. Hop là, c'est fait. Alors, je viens d'améliorer ma wifi juste ici sans même le vouloir, mais c'est pas grave. Et ici, je récupère 7 000 $. Oh, je suis déçu, je pensais pouvoir m'acheter un nouveau dropper. Bon, vous savez quoi, en attendant, on va s'acheter ici une petite étagère, je crois. Ah non, c'est un tapis. Oh, tapis RGB, ok. Et je pense aussi que ça peut être une bonne stratégie de s'acheter les murs de notre maison. Voilà, là au moins on est bien entouré. Et on va s'acheter aussi les vitres, car tant qu'on y est, voilà, c'est bien d'avoir un petit peu moins de vis-à-vis. Je vois que de ton côté, Zodiac, t'as fait la même chose. Je crois, mais j'ai acheté des trucs que je voulais pas. Ah mince, ça va pas le faire dans ce cas-là si tu veux avancer. Moi de mon côté, je vais essayer de tenter l'option stream, parce qu'on l'a toujours pas tenté. Donc c'est parti. Oh les gars, mais non, c'est incroyable. Je vois mon skin en train de streamer, c'est incroyable. Je suis perturbé carrément. Ok. Attends, je vais vlogger chez toi. Vas-y, attends. Yo, je vlog. Tu es en train de vlogger là? Ouais. Attends, vas-y, mets-toi à côté de mon skin. Attends, j'arrive parce que ça s'est arrêté. Vas-y, comme ça après tu pourrais te voir sur mon stream, ça va être incroyable. Hop, record vlogging, let's go. Viens. Hop, let's go. Oh ouais, il y a Zodiac qui apparaît. Attends, t'es juste derrière moi là, je te vois pas sur mon stream. Ah merde. Attends, voilà, c'est bon là, je te vois. Le mec, c'est son meilleur vlog pendant que moi je fais mon meilleur stream. Let's go. Ok, et les streams actuellement me font gagner entre 10 et 20 subs par seconde, j'ai l'impression. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus le truc le plus fou possible. Donc on va arrêter notre stream, et avec l'argent qu'on a économisé, non, on peut toujours pas s'acheter ce foutu dropper. Moi c'est vraiment mon objectif les gars, donc on va continuer, et cette fois-ci on va recorder une petite vidéo. Et je pense que juste après ça sera bon pour qu'on puisse acheter un nouveau dropper. Par contre frère, je viens de voir, le mec il est à 44 000 abonnés, wesh. Il va trop vite hein, vraiment. Mais comment c'est possible? Comment le mec a fait? Il doit avoir des techniques qu'on n'a pas là, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En attendant, je suis passé devant toi en termes d'abonnés. Apparemment, les vlogs, c'est pas très lucratif. Et moi, je m'approche tranquillement des 100 000 vues aussi sur ma chaîne YouTube. Bon, même s'il m'en reste encore un petit peu. Voilà, je viens de tourner une petite vidéo. Maintenant, on récupère notre argent et on s'achète un dropper. Et le prochain se coûtera combien? 65 000. Ah oui. Bon, par contre, déjà, on a un dropper qui nous donne des petits boutons dorés en or. Et ça fait plaisir. Ça me rapporte combien par seconde? Ça me rapporte 137. Allez, ça régale. Maintenant, je me demande du coup comment l'autre avance aussi rapidement. Il est déjà 88 000 abonnés. Est-ce que c'est lui? Non, j'ai pas l'impression. Non, si tu dansais, ça peut pas être toi. Non, ça doit être lui, le mec qui est foutument riche. Et je comprends pas. Le mec qui est riche, en réalité, c'est parce qu'il fait juste des vidéos en boucle. Hein. J'ai l'impression. Il a même pas acheté son dropper au niveau suivant, alors que moi je l'ai acheté. Par contre, oh, attends, mec, il a beaucoup amélioré sa wifi. Donc je crois que c'est vraiment le truc qu'il va falloir faire si on veut améliorer notre rendement et avoir plus d'abonnés, c'est d'augmenter toutes les caractéristiques de notre jeu. Donc déjà la wifi, on va la passer à 10 Mbps, à 20 Mbps, et on pourra presque la mettre à 40. Mais en attendant, on va aller acheter un nouveau PC. Alors déjà les PC, combien ça coûte? Ça coûte 33 000 $ si on veut avoir le niveau maximum. Ah non, quoique, le niveau maximum il coûte 900 000 $. Non mais c'est même plus un PC là, c'est une tour quantique là. C'est quoi ce bordel? Ici on peut s'acheter un meilleur écran, mais je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose l'écran. Et ici on peut s'acheter un meilleur bureau, pareil, je crois que ça a du style, mais ça sert pas à grand chose. Pareil pour les tapis de souris en vrai. Ouais, attends, non, le premier tapis de souris il coûte 12 000 $, pardon. C'est un peu abusé là. Souris là. Et, ah, on peut s'acheter aussi un microphone. Non mais les gars, on peut s'acheter tellement de choses. Globalement, on peut tout personnaliser dans notre setup. Et je pense que chaque personnalisation nous rapporte encore plus d'abonnés et d'argent. Mais bon, du coup, pour le moment, on va essayer de récupérer cet argent là. Et j'en ai 16 000. Je vais pouvoir m'acheter un PC encore plus puissant. Ça va faire plaisir. Du coup, on va s'acheter ce PC là à 15 600. Regardez, on l'améliore directement. Paf! Voilà, ça c'est du PC. Et j'espère que maintenant je suis beaucoup plus productif dans mes vidéos. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Allez, on recorde une vidéo et l'uploading. L'uploading il est pas si rapide que ça. Hein. Je suis déçu, j'ai amélioré mon PC et pourtant ça marche pas tant que ça. Pour l'editing, il est toujours aussi lent parce que j'ai pas d'éditeur pour faire mes vidéos. Et pour l'uploading, ouais, c'est un petit peu rapide mais sans plus quand même. Hein. Je suis un petit peu déçu. Bon, vous savez quoi? Moi je vais trahir bien de mon côté l'editing. Zodiac, de ton côté, t'as quoi comme plan là? Je sais pas, en fait, je suis en train d'avancer des trucs, mais juste... Ah voilà, c'est bon, j'ai enfin mon éditeur. Voilà, c'est ce que je voulais. Quoi? T'as un éditeur là? Ouais. Attends, attends. C'est quoi? T'as amélioré toute ta maison pour y arriver? Ouais.
Ok, t'as open le bunker ou pas? Ouais, je l'ai open, ouais. Ok, bon, là, je l'achète vraiment tout ce qu'il y a sur le chemin. Le garage, je l'achète même. Voilà, y a pas de problème. Ici, oh, j'ai une tyrolienne pour aller à l'étage. Attends, y a besoin d'aller à l'étage ou pas? Non, c'est juste des pets à l'intérieur, je crois. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Je vais m'acheter le bunker, du coup. Et si je vais dans le bunker, qu'est-ce qui se passe au juste? Oh, c'est stylé. Y a des nouveaux trucs. Attends, quoi? Ici, y a un nouveau dropper qui m'attend juste dans le futur. Et ici, je peux améliorer mon bunker et j'ai un vault de niveau 1 où il me faut 50 diamants. Ok, c'est de là que viennent les diamants. Ok. Bon, du coup, on va améliorer notre bunker. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir... Oh, oui. Ok, on a une machine à diamants juste ici. C'est parfait. Bon, par contre, la prochaine coûte 50 000. On va attendre. Et ton éditeur, il est où? Il est au rez-de-chaussée? Non, il est à l'étage. Non, au rez-de-chaussée. Non, j'ai... Ah oui, il est juste ici. Achetez un éditeur. Voilà, maintenant, on a un mec qui travaille pour nous. Et le prochain, faut 1 million d'abonnés. Je viens de faire un truc. Tu verras tout à l'heure, mais je viens de faire un truc. Attends, comment ça? Attends, tu vas me tracer, okay. Là, tu vas me dire. Attends, non, c'est juste regarde le premier. Non, mais oui, j'ai vu. Frérot, le mec, le premier, il a 3 millions d'abonnés, je comprends pas, frère. Tu vas voir, il va en perdre plein bientôt. Attends, quoi, il y a un truc pour faire perdre des abonnés aux autres. Attends, vraiment? Ouais, on peut acheter un hacker. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un hacker. Attends, et le hacker, il permet de faire perdre des abonnés aux gens? Ouais, du coup, j'ai pris maudit Ben. Non, incroyable. Ok, j'ai hâte. Parce que là, il monte un peu trop vite, le coco. Allez, moi de mon côté, je repars faire des vidéos. Et du coup, est-ce que je vais plus vite? Bon, pour le recording, ça a pas l'impression. Mais en même temps, j'ai déjà mon PC. Par contre, pour l'editing, est-ce que c'est plus rapide? Ouais, si, ouais. On voit la différence quand même. Mais après, c'est pas ultra différent. Et pour l'uploading, oh là, c'est rapide. Oh là, voilà. Là, j'ai une bonne wifi. C'est ça qui fait plaisir. Live studio. Oh, le live ici. De mon côté, j'ai aussi, du coup, ouais, un live studio qui permet. Si je fais des émotes, je peux gagner des subs. Mais encore une fois, c'est entre 10 et 20 subs par seconde. C'est vraiment très petit. Ici, je crois que voilà, je peux m'acheter une vlog caméra. Elle est juste ici. Et du coup, je peux enregistrer un petit vlog. Voilà, donc les gars, ici, on se rend directement dans la maison de Zodiac. Petit room tour de la maison de Zodiac. Alors, où est-ce qu'il est? Salut! Oh, bah t'es là! Salut frérot! Vas-y, je te prends un selfie. Let's go! Là, voilà, fin de la vidéo. Et j'ai gagné 12 abonnés. Non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Vas-y. C'est vraiment nul. Plus jamais je fais de vlog. C'est bon là. J'abandonne vraiment. Oh, je viens d'acheter un truc sans le vouloir. Oh non, je me suis acheté une sécurité, ça m'a coûté une blinde. Alors ça, c'est vraiment dommage pour moi. Bon, tant pis. Et du coup, on va repartir record des vidéos. Parce qu'il y a un mec qui a 1000 fois plus d'abonnés que nous. Comment c'est possible en fait? Ah, il vient d'upgrade son PC et tout en plus. Il va tellement vite. Je comprends pas. Je pense le mec, c'est le créateur du jeu directement en fait. Ou sinon, c'est MrBeast. Peut-être qu'il se cache derrière ce pseudo. Et là, on peut rien faire du tout face à un mec comme ça. Imagine. Imagine, c'est MrBeast là, carrément. Non mais attends, mais c'est pas possible. Il a 10 millions d'abonnés, on en a 100 000. Et pourtant, nous, on avance bien, parce qu'à côté, on a Frobson qui a 33 000 abonnés. Donc vraiment, lui, en général, c'est la moyenne des gens. Mais on a un alien avec nous, quoi. On va bien le hacker, hop. Wesh, attends, il y a un mec qui se balade carrément avec un jetpack. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est toi? Excuse-nous. Et je crois que je viens de voir, il y a un leaderboard. Attends, j'ai vu un tableau, je vais aller le voir juste ici. Qu'est-ce que c'est? Ok, City Owner. Donc on peut voir, par exemple, que le Gamer Shop fait gagner de l'argent par seconde et des abonnés par seconde. Pareil pour le YouTuber Outfit et le Supercar Shop. Sauf que, actuellement, personne n'est propriétaire de rien du tout, parce que forcément, ça coûte plusieurs millions. Enfin, en attendant, en parlant d'argent, moi, je peux enfin m'acheter mon nouveau dropper. Et ça va me mettre bien. Je gagne combien par seconde maintenant? Je gagne 360, non même plus. Oh, attends, mais c'est aléatoire. Mais je gagne jusqu'à 1000 par seconde, ça fait plaisir. Du coup ici, on peut s'acheter une wifi plus rapide. Et regardez maintenant à quel point je vais vite sur ma publication de vidéo. Bon, bien sûr, sur le reste, j'avance pas aussi vite. On peut voir que là, ça avance toujours aussi lentement. Mais par contre, la publication de mes vidéos, regardez à quelle vitesse ça va. Let's go. J'aimerais aller aussi vite sur tous les trucs là, parce que là, pour le coup, les autres sont beaucoup trop lent. Ah ouais, moi aussi en fait, ça va trop vite le upload. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas encore d'éditeur pour... Enfin, on n'a pas encore plusieurs éditeurs pour edit plus rapidement et on n'a pas un PC assez puissant pour record assez rapidement aussi. Attends, moi je vais aller m'acheter un PC, je pense. Je pense aussi. Est-ce que tu pourras me dire les prix des PC, s'il te plaît? Comme ça, je bouge pas. Ouais, vas-y. Et je vais m'acheter le meilleur PC, enfin peut-être pas le meilleur PC parce qu'il coûte 1 million, mais l'un des meilleurs PC directement. Ok, le premier prix c'est 1200, ensuite c'est 15 000, ensuite c'est 33 000, ensuite
c'est 58 000, okay. Ensuite c'est 112 000, ouf, ensuite voilà, 380 000 okay. Et 899 000. Et ben, je pense aller chercher celui de 112 000. Et d'ailleurs, il y a littéralement un mec dans ma base. Salut frérot, comment ça va? Là, par contre, j'ai vraiment récupéré actuellement 129 000 dollars. Donc, on va s'acheter un PC de fou. Est-ce que c'est lui? Non, est-ce que c'est lui? Oui, allez, let's go. On améliore notre PC. Là, on va essayer de rattraper le fou furieux qui a des millions et des millions d'abonnés. Et la question aussi, c'est est-ce que les autres trucs te font gagner des abonnés? Parce que frérot, quand t'achètes un keyboard à 700 000 dollars, j'espère au moins qu'il te fait taper plus vite tes vidéos, quoi. Sinon, c'est chaud. Ici, je gagne beaucoup d'argent maintenant par seconde, les gars. Ah ouais, c'est abusé. Je gagne jusqu'à 3000 dollars par seconde. C'est splendide. On en profite du coup pour améliorer notre wifi tant qu'on y est. Et on va encore l'améliorer, hein, pourquoi pas. Et maintenant, on se positionne et on record nos vidéos. Alors, le recording, est-ce qu'il est plus rapide? Hey, il a l'air encore un peu lent, hein, je suis un peu déçu. L'editing, forcément, il est toujours aussi lent parce que j'ai qu'un seul éditeur. Mais ça va bientôt changer parce qu'on s'approche du million d'abonnés. Et l'upload, par contre, il fait plaisir. L'upload, voilà, là, c'est rapide, c'est ce qu'on veut. C'est nul. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une erreur? Bah, en fait, j'ai ouvert le coffre, mais les diamants, ils servent à rien. Ah ouais, ils te donnent quoi exactement? Bah, rien, genre, on a des armes. J'avais peur que ça soit ça, mais du coup, ouais. À part si on veut fracasser le mec à 22 millions d'abonnés, à la limite. En ouais, tout cas, bah ouais, oh, j'ai pas vu le temps passer, mais ça y est, je peux m'acheter un deuxième éditeur et ça va faire plaisir. Par contre, 15 millions pour acheter le prochain éditeur, j'ai envie de pleurer. Voilà, s'il vous plaît, c'est un supplice. Ici, ah j'avais pas vu, mais je peux m'acheter une piscine avec mes 13 000 abonnés. Et est-ce qu'on peut nager dedans? Let's go, on peut nager dedans. Voilà, ça, c'est des vraies piscines, c'est ça qu'on veut. Bon, par contre, je suis habillé pour aller dans la piscine, c'est pas forcément un bon conseil. Voilà, ici, je peux acheter toujours plus de wifi et waouh, j'ai tellement d'argent. Ok, on va améliorer les choses. Ok, on va s'acheter. Ah non, je crois qu'on va attendre, on va même économiser les gars pour s'acheter le meilleur PC possible. Il coûte combien? Il coûte 900 000. Les gars, on économise pour s'acheter un PC à 900 000. Oh, attends, ici, je peux m'acheter une partie. Oh oui, et là, je peux m'acheter un DJ. Est-ce que la partie me fait gagner plus d'argent, plus d'abonnés? Est-ce que ça fait quelque chose? Déjà, je gagne 4000 dollars par seconde, ça c'est énorme. Et là, j'ai amélioré ma wifi sans le vouloir, j'ai le seum. Ouais, tu fais tellement de bruit. Ouais, par contre, je fais des bruits, frérot. Là, je pèse dans le game, là. On peut le dire. En tout cas, du côté de l'editing, est-ce que c'est plus rapide? Ouais, quand même. L'uploading, bien sûr, toujours aussi rapide. Et les gars, maintenant, là, on commence à gagner beaucoup d'abonnés. Pour être précis, on gagne 50 000 abonnés par seconde. Et ça, ça fait plaisir. Zodiac, j'étais un petit peu tracé d'ailleurs. Je sais pas ce que tu fais. Ah ouais, déjà vous. Bah, j'ai fait des bêtises à un moment, donc normal. T'as acheté n'importe quoi, genre? Ouais, bah ouais, j'aurais pas dû. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore acheté. En général, quand on fait des tycoons et qu'on veut avancer plus facilement, il faut se focus sur la quantité de travail qui augmente notre rentabilité. C'est comme dans la vraie vie, les gars. Si vous voulez percer, c'est pas en achetant une villa que vous allez le faire, c'est en faisant des idées de vidéos. Donc, j'essaie de suivre cette technique. Et pour le moment, ça a l'air de se passer pas mal, même si j'ai toujours 23 millions d'abonnés de retard sur Modic Ben. T'inquiète, je vais rejoindre. Vas-y, je t'attends. Rejoins-moi. En attendant, moi, je récupère encore de l'argent. 800 000, j'ai. Oh, il me manque encore un tout petit peu et je pourrais m'acheter le PC de la mort qui tue. Allez. Tu gagnes tellement d'argent par seconde. Non, là, c'est abusé. Là, on commence à devenir riche. On peut voir que je suis à 7 900 000 abonnés. Donc, bientôt les 15 millions pour s'acheter un nouvel éditeur. J'ai posté 30 vidéos et en fait je crois qu'il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire plus tu sors de vidéos, plus les anciennes vidéos font des vues au fur et à mesure, et donc ça te met beaucoup trop bien. Et là actuellement du coup je suis à 29 millions de vues. Après ça reste toujours moins que ma chaîne short actuelle, hein. Sur ma chaîne short les gars, je dois être à peu près je crois à 250 millions de vues, donc on a encore un petit peu de marge si je vais dépasser cette chaîne. En tout cas, on va upload une dernière vidéo et juste après on va se rendre pour s'acheter un PC de la mort qui tue. Allez, paf, c'est publié. Maintenant, on récupère nos 300 000 dollars et c'est parti. On va directement au PC Shop et on s'achète la magnifique tour de la NASA. Regardez, paf, elle vient de se transformer. Mais attends, mais elle tire même pas sur la table, là. C'est quoi ça? D'ailleurs, on va en profiter, on va s'acheter une chaise gamer niveau max. Elle coûte 200 000, on s'en fout, regardez, on avait un petit tabouret. Maintenant, on a une chaise de fou furieux, c'est parfait. Et pour la suite, on reviendra car on est déjà très pauvre en argent. On se rend à l'intérieur, après, voilà, on a
déjà 135 000 qui nous attend juste ici. Et c'est vrai que je viens d'y penser, mais j'avais vu des choses en dessous que je suis pas allé voir depuis. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la diamant machine juste ici qui me permet du coup d'ouvrir le coffre-fort de niveau 1. Et du coup, c'est là où on a le jetpack ou pas? Ah non, c'est même pas là où on a le jetpack. Il y a juste des armes, effectivement, mais on va pas les utiliser pour le moment. On a aussi un portail mystérieux ici. Où est-ce qu'il va nous emmener? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. Restez bien. Et on a un téléporteur. J'ai pas l'impression que ça soit utile. Par contre, le petit hacker, on va en profiter pour hacker le Mock Dick Ben. Ok, il vient de perdre 370 000 abonnés grâce à moi. C'était sympa, c'était sympa. Mais le problème, c'est que faut... bah, franchement, c'est la bonne stratégie. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre 3 minutes pour re-hack quelqu'un, malheureusement. Et je pense que lui, il n'a pas hack des gens. Il a au contraire profité de cette astuce pour faire directement encore plus d'abonnés. Bon, j'ai amélioré mon PC, mais... Non, mais attends, je suis déçu. J'ai amélioré mon PC niveau max. J'ai l'impression qu'il a mis... il avance toujours pas. C'est quoi cette arnaque? Bon, peut-être qu'il faut que j'améliore le reste de mon setup. Il n'y a peut-être pas que mon PC que j'ai besoin d'améliorer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais juste d'avant, ici, je peux m'acheter un éditeur supplémentaire. Et oh mon dieu, regardez à quel rythme il édite, contrairement aux autres. Lui, il est ultra lent. Lui, il est un peu moins lent. Et lui, il est trop rapide. Alors, ça va me mettre trop bien. Ici, je peux m'acheter en plus un téléphone. Et regardez, est-ce que grâce à ce téléphone, oui, je peux faire des selfies, gagner encore plus d'abonnés. C'est comme les anciens youtubeurs tycoon. Ça, c'est parfait, ça va me mettre bien. Et maintenant, on va vite se décaler pour acheter encore plus de choses dans le shop. Zodiac, ça va? T'as acheté un truc là? Ouais, je viens d'acheter une chaise. Ok. Je sais pas si ça sert vraiment, mais je me suis acheté une chaise. Je sais pas, en tout cas, moi j'avais déjà acheté au niveau max. Là, je m'achète un tapis de souris. Regardez, on passe de ça à ça. Voilà, ça c'est du vrai tapis de souris. Ici, on va s'acheter en plus de ça un vrai micro. Voilà, à 13 500. Parce qu'on avait un micro de comptabilité, c'était dégueulasse. Maintenant, on a un vrai micro de professionnel. Ici, on s'achète en plus notre petite souris juste ici. Regardez, paf, la souris se transforme en souris de lave. C'est splendide. Et il ne reste plus qu'à acheter notre clavier de la mort. Et non, ça coûte 700 000. J'ai pas encore assez en fait. Oh, ça devient abusé par contre. 700 000 pour un PC, j'ai jamais vu ça. Bon, c'est pas grave, du coup, on va attendre encore un peu. Quoique, on est déjà à 500 000, c'est déjà pas mal. On va aussi en profiter pour acheter notre nouvelle fibre. Et là, on est à 1000 gigabits par seconde. Et on peut plus rien améliorer. Donc, c'est parfait. Et maintenant, est-ce que je vais plus vite pour recorder des vidéos? Eh bien, j'ai même pas la pression. Donc là, je vais vraiment d'acheter un setup de fou furieux pour même pas que ça aille plus vite. Par contre, l'editing est si rapide et l'uploading aussi. Ok, donc là, le seul truc qui prend du temps encore, c'est le recording. Et je sais pas pourquoi il prend autant de temps. Je suis sûr que c'est un bug. Je suis dépité. Et par contre, j'ai pas vu un... J'avais oublié de regarder un truc, mais c'est le nombre d'abonnés de tout le monde. Il a explosé ces dernières minutes là. C'est quoi ce bordel? Attends, j'ai la moitié des abonnés de Mod Dick Ben. Zodiac est pas mal aussi. T'as réussi à pas mal te refaire. Et même Frobson, ouais, qu'on voyait ultra loin dans le classement, a réussi à remonter. Donc la course à l'abonné est toujours pas terminée. Et l'objectif, les gars, ça va être de dépasser Mr Beast. Sachant que Mr Beast, la dernière fois que j'avais fait une vidéo dessus, il était à 189 millions d'abonnés. Maintenant, il est à presque 250 millions. Donc lui, par contre, il fait vraiment un YouTuber tycoon dans la vraie vie. C'est abusé. Il speedrun. Oh, tu fais une fête là, attends. Je sais pas, j'ai acheté, mais je sais pas, c'est... Frérot, j'entends bien la fête, mais je sais pas si ça rapporte plus d'abonnés pour le coup. C'est ça la question, en vrai. Ah ouais, j'ai pas l'impression. Ah, oh, le recording qui est super long. Ouais, là, on s'ennuie à publier des vidéos. Hop. Mais d'ailleurs, quand on s'ennuie, go dépenser un peu d'argent. Allez. Déjà, je peux m'acheter un téléphone. J'avais même pas vu. Et je peux m'acheter un selfie stick. Bon, en vrai, tout ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pareil, je peux m'acheter plein de choses ici que j'ai pas acheté depuis le début, comme une voiture encore plus stylée, un boomerang, ok, des torches, un chalumeau, ok, attends, mais le chalumeau, comment ça, tu veux pour brûler les autres? Et un pistolet à silex, ok. Ici, je peux m'acheter aussi la plaque des 100 000 abonnés que j'avais pas encore acheté, la plaque des 1 million d'abonnés que j'avais toujours pas acheté, et avant d'acheter celle des 10 millions, on va faire un tour directement au niveau du PC Shop, et je viens de me rendre compte qu'en fait, je vais pas acheter le clavier comme j'aurais pu, mais je vais plutôt attendre pour m'acheter directement le magasin en fait. Pourquoi je fais pas ça depuis le début? Maintenant que je gagne beaucoup d'argent en fait, c'est ça la stratégie je pense. Donc on va attendre avant de s'acheter le magasin. Ici on peut s'acheter de l'arsenal. Comment ça? Ah oui, c'est comme ça que j'ai le jetpack, ok. Et du coup ici comme promis, on va s'acheter, il est où? Il est là, le bouton des 10 millions d'abonnés. Oh regardez, il est trop magnifique sur son étendoir. Et par contre le prochain palier, il est à 100 millions. Donc on va encore un petit peu attendre. Ici on peut s'acheter un meilleur tapis normalement. Ah non, c'est une étagère. Encore une fois, on peut s'améliorer cette étagère. Toujours se l'améliorer. Et là, elle est magnifique. Voilà. En vrai, j'aimerais bien avoir cette
cette étagère, même IRL. Bon, sans une vraie arme, bien sûr, sinon j'aurais des petits problèmes avec la justice, mais sinon, le reste est vraiment cool. Ici, on passe pour la première fois le palier des 1 million de dollars, et on perd pas plus de temps, les gars, faut règle des vidéos, parce que sinon, on va se faire dépasser par tout le monde. Alors que ça fait toujours la fête, ça, ce que j'entends. Ouais, bah ouais, je m'amuse. Je sais pas si ça rapporte plus d'abonnés. En vrai, dans le YouTuber Tycoon que j'avais fait avec Quick, ça rapportait plus d'abonnés, hein. Donc, il y a possibilité que tu me rattrapes juste parce qu'il y a la fête. Je sais pas, je vais racheter. Ouais. Alors, est-ce que ça rapporte plus d'abonnés? On va le découvrir. J'ai l'impression qu'on augmente. Non, on augmente au même rythme. Hein. Est-ce que tu fais des selfies, toi? Non. C'est vrai que. Mais attends, mais peut-être qu'avec les selfies, en fait, tu gagnes plus d'abonnés, du coup. Je ne sais pas du tout. Je suis en train de regarder, mais on est serré en termes de progression. On gagne à peu près le même nombre d'abonnés. Ah, j'arrive pas à te rattraper, du coup. Ouais, ça va être compliqué de me rattraper. Mais tout est peut-être jouable. Peut-être si t'as économisé suffisamment d'argent, tu pourras acheter avant moi l'usine à PC, par exemple. Moi, je vais acheter le supercar. Shop. Oh, attends, il coûte combien le supercar shop? Va pas voir. Attends, je vais aller voir ça tout de suite là. Hop là, je récupère mon argent. Et c'est vrai que depuis le début, on va voir le PC shop, mais on n'a pas regardé tout le reste. Et autre part dans la ville, il y a d'autres trucs qu'on est censé pouvoir acheter. Comme par exemple le supercar shop juste ici. Et juste ici, c'est quoi? On peut s'acheter l'outfits shop et ça coûte 4 200 000. Bon, bah ça on abandonne, ok. Et le supercar shop coûte 8 millions. On va attendre un petit peu. En attendant, on va peut-être se faire une petite partie. En attendant, ça coûte un peu moins cher, quoi. Quelques milliers de fois moins cher. Allez, let's go. Putain, ça s'ambiance de ouf dans les parties. Ça, c'est de la vraie musique. Ils sont à fond là. De ouf. En attendant, on a passé les 40 millions d'abonnés et on a la moitié de l'argent nécessaire pour s'acheter notre usine de PC. Enfin, notre magasin de PC plutôt. Je suis en train de te rattraper en termes d'abonnés. Quoi? Attends, comment ça tu me rattrapes? Non, ça va pas. Déjà, j'ai oublié de cliquer sur le bouton selfie, ça allait pas. Allez, c'est pas possible. Rattrape-moi pas. Après, ça me dérange pas que tu me rattrapes à condition que j'ai déjà dépassé Mock Dick Ben avant. T'inquiète, je suis en train de le hack à chaque fois. Genre, vraiment, je laisse pas vivre le mec. Je le hack aussi. Allez, on va directement le hack juste ici. Salut frérot, comment ça va? Allez, moins 600 000. Un autre gars, et voilà, 631 000 en moins aussi. Allez, c'est comme ça qu'on va l'avoir, c'est à l'usure. C'est à l'usure qu'on va le fumer. Allez, ici, on continue de record des vidéos, on perd pas de temps. En attendant de rec cette magnifique vidéo, je vais passer bientôt les 100 millions de vues sur ma chaîne. Et ça, c'est stylé. Ok. Allez, on est reparti. 600 000, 700 000, 800 000, 900 000 et 100 millions de vues, let's go. C'est ça qu'on veut. De mon côté, j'ai récupéré un petit peu d'avance à nouveau sur Zodiac. Ouais, t'as refait l'écart là. Mais par contre, on est à combien? On est toujours à 20 millions d'abonnés d'écart avec Mob Dixben. Non, c'est horrible. Et du coup, on fait une dernière vidéo et maintenant on va directement prendre l'argent. Et normalement, si je me souviens bien, je vais pouvoir m'acheter la boutique. Est-ce que c'est bon? Acheter la propriété? Non, il me manque 100 000 encore. Allez, vite. Attends, le temps de faire un aller-retour, il y a moyen, j'ai déjà cet argent. Allez. Il me faut encore un tout petit peu. Allez, quelques milliers là, vite fait. Voilà, je crois que c'est 650 000, c'est parfait. Et du coup, on s'y rend et on s'achète l'usine APC. C'est fait. Ça nous fait gagner combien? Ça nous fait gagner 500 $ par seconde en plus. C'est ridicule. Et 200 abonnés par seconde en plus. Non, mais c'est une arnaque. Je viens d'acheter un truc qui est horrible. Un peu nul, hein. Bon, je suis déçu, mais c'est pas grave. Et est-ce que du coup, j'ai des trucs gratuits dans mon magasin maintenant que je l'ai acheté? Eh bien, pas du tout. J'ai besoin toujours d'acheter des trucs aussi chers. Eh bien, très bien. Donc, il me faut 729 000 pour le meilleur clavier et 2 300 000 pour le meilleur bureau. Non, ça par contre, le bureau, c'est un petit peu abusé. Voilà, je tiens à me plaindre. Par contre, ici, je viens de voir qu'il y a ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour s'acheter des pets. Et est-ce que les pets servent à quelque chose? Je sais pas. Mais je vais m'en acheter un, je pense. Histoire de voir si ça me fait pas gagner plus de bonus. Ici, on peut s'acheter en tout cas. Ah non, on peut rien s'acheter en fait. Je suis vraiment pauvre. Par contre, voilà, là, on va pouvoir s'acheter. Ici, on va pouvoir s'acheter de l'arsenal supplémentaire. Mais en vrai, je vais même pas le prendre. Ici, par contre, on a un petit centre de sécurité avec des petits. Petite caméra qu'on peut acheter et au vu du prix on se les achète. Et ici on va s'acheter un petit pet mythique, le big boy. Et où est-ce qu'il est mon pet? Oh mais c'est le bouton du rubis des 50 millions d'abonnés. Et bien ça fait plaisir. Voilà, maintenant je suis suivi par le bouton des 50 millions d'abonnés qui me rappelle mon objectif. Et d'ailleurs, s'il y a un truc que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, c'est d'aller à l'étage regarder si je peux pas débloquer des nouvelles choses. Donc on va déjà s'acheter un armurier, mais ça à la limite je m'en fiche un petit peu. Ici, on va s'acheter un petit lit, des petits murs, un petit canapé, une petite étagère, un lit encore mieux parce que lui, il est dégueulasse. Allez, s'il vous plaît, des meilleurs lits, là. Donnez-moi des meilleurs lits. C'est quoi, cette arnaque? J'en veux pas, oh, ça. Oh, mais il m'a hacké. Oh, il t'a hacké? Oh, lui. Non, j'ai perdu 600 subs.
600 ou 6 000, 100 000. 600 000. 600 000. Oh putain, ça fait cher. Allez, tiens, 700 000 en moins pour lui. Bon, ici, je me suis acheté du coup le lit niveau max. Ici, je vais m'acheter une petite salle de bain tranquillement. Regardez, on s'achète tout, c'est magnifique. On améliore encore, voilà. Ici, on s'achète des petits murs parce que quand même, un petit peu de privé. Et pour le reste, je dois attendre parce que j'ai plus d'argent. Donc, on va surtout profiter de ce moment pour aller faire un maximum d'édits. Et moi, il y a un truc que j'ai vu et que je vais souligner, c'est que je suis plus qu'à 15 millions d'abonnés de Modic Ben. Et à l'instant, d'ailleurs, il vient de s'acheter un meilleur PC. Et il vient encore de se l'acheter. Mais attends, mais comment ça, il a amélioré son PC? Comment ça, il vient d'acheter deux fois d'affilée un PC supérieur? Attends, rassure-moi, il a pas trouvé une technique secrète pour avoir un PC de la Super NASA. Sinon, je suis un petit peu triste. C'est quoi ça? Une Ferrari? Attends, il a une Ferrari? Il serait quand même pas assez le magasin supercar là. Je crois que si. Non. Il a une Ferrari devant chez lui. Ok, donc je suis peut-être plus qu'à 14 millions d'abonnés de Modic Ben, mais le mec a une Ferrari. Donc ouais, je rivalise peut-être pas avec lui. En tout cas, je vais aller voir directement dès que j'ai fini cette vidéo ce que ça donne, parce que je suis un petit peu curieux. Donc ça y est, on va s'y rendre. Alors, ah ouais, il a une Ferrari devant chez lui. Attends, quoi? Excuse-nous. Mais par contre, ouais, ça coûte 8 millions de s'acheter une propriété, donc on va pas pouvoir se le permettre, hein. Ou en tout cas, pas tout de suite. Par contre, ce que je vais me permettre, c'est de m'acheter un meilleur clavier, car après tout... Alors, j'ai peur d'un truc, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? You are no the YouTuber King. Quoi? Comment ça? Attends, t'as un bouton pour devenir le roi du YouTube ou t'es le roi du YouTube sur le jeu là? Claim YouTuber. Bah, je sais pas, c'est écrit. Attends, non, gros, mais c'est quoi? C'est avec le. Avec le portail. Ah, c'est le portail! Attends, quoi? Attends, bah vas-y, si tu veux. Attends, j'arrive à ton niveau comme ça quand tu rentres dedans, je peux voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai que j'ai totalement oublié ce portail que j'allais acheter un petit peu plus tard dans l'aventure. Vas-y, monte-moi ça du coup. Le portail. Viens. Vas-y, rentre dans le portail. Tu peux use? Non, je peux pas use. Et où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es passé? Bah, du coup, j'étais dans un monde parallèle. Où ça me disait que j'étais youtubeur. Aïe, non mais c'est mort comme une merde. Ah ouais, ok, c'est juste t'étais dans un rêve, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais dans un rêve où t'étais youtubeur premier monde, mais en fait c'est pas du tout le cas dans la réalité. Ah, c'est... Okay. Oh, c'est un peu décevant. Je suis plus qu'à 12 millions d'abonnés de Modic Ben. On va y arriver. Moi j'essaie juste de le faire tomber. Tiens, allez, 800 000 en moins encore. Ah oui, c'est vrai que je dois le hacker. Vas-y, je vais faire pareil. J'avoue. Allez, paf. Je hack les autres players. Modic Ben, paf, 850 000 en moins. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je suis à 10 millions de lui du coup. Allez, let's go. C'est ça qu'on veut. En plus, j'ai bientôt les 100 millions d'abonnés. Je vais pouvoir débloquer l'ultime trophée. Et après, on le rappelle, l'objectif c'est de dépasser MrBeast. Je suis toujours en train de monter, les gars. Et regardez, je suis plus qu'à 8 millions, on se rapproche de l'objectif, on va y arriver. Et Zodiac, de ton côté, la stratégie, c'est toujours la même ou pas? Moi, je fais mes vidéos, ouais. Sauf que le truc, c'est que dès que je peux, je vais voir pour le hack, comme ça, tu peux passer premier. Putain, j'avoue, t'es le boss, mais en fait, dis-moi à chaque fois que tu hack, comme ça, moi, derrière, je décale et c'est parfait, on enchaîne ensemble. Vas-y, on va le faire tomber. C'est vrai qu'on a un objectif à faire tomber, la malveillance, elle est niveau max, mais le ref, en même temps, on avait 100 000 abonnés, il en avait 20 millions, donc on avait envie de le faire descendre, et c'est ce qui est en train de se passer. De toute façon, YouTube, les gars, c'est de l'endurance. Si aujourd'hui vous galérez, sachez que demain est un autre jour et que faut juste tenir sur le long terme. Allez, on est aux 7 millions d'abonnés d'écart. Oh, et attends, t'auras pas besoin de le hack, Zodiac. Parce que il vient de quitter. Il vient de quitter juste avant de se faire hack. Alors maintenant, les gars, l'objectif, il va être très simple. Si on a 100 millions d'abonnés, on a plus d'abonnés que le coco qui vient de quitter, ok? Donc c'est juste l'objectif, passer les 100 millions d'abonnés. Let's go. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui fait 50 vidéos et qui fait 70 millions d'abonnés... Ah ouais, alors c'est vrai que c'est peut-être pas très logique, les gars, qu'on ait seulement 50, entre 50 et 100 vidéos et qu'on a approche des 100 millions d'abonnés. Voilà, il y a peut-être un petit problème de calcul. Disons que s'il y a une personne dans ce monde qui arrive aux 100 millions d'abonnés avec seulement 100 vidéos, ça sera un truc de malade mental. Je pense que c'est possible, mais ça serait un gars, on entendrait parler de lui dans le monde entier, quoi. En mode, c'est le gars OMG, chaque vidéo qui sort, c'est la vidéo que tout le monde doit regarder, quoi. Genre, ça serait un MrBeast 2, mais genre en version full boosté par tous les autres autour de lui, limite, tu vois. Ouais, et puis vraiment, un mec où t'es en mode, tu sais, un mec qui est vénéré par tous les youtubeurs, quoi. Bon, par contre, pendant que je monte, mon cher Zodiac, je viens de te mettre 20 millions d'abonnés d'écart là. Ah ouais, c'est trop long. J'ai envie de tenter un petit truc, c'est d'aller gagner des abonnés au lieu de faire de la méchanceté. Et ok, j'ai gagné presque 1 million d'abonnés, donc ça fait plaisir. Ça régale. Et là d'ailleurs, je vais bientôt pouvoir m'acheter le PC de la mort qui tue. Il me manque plus grand chose. Enfin, le bureau, je veux dire, parce que le bureau, je crois que c'est 2 300 000 qu'il faut. Et actuellement, je suis à 2 500 000.
154 000. Je vais prendre un bon clavier, moi. Ah, moi, j'ai déjà, mec, j'ai un clavier, c'est de la lave, c'est magnifique. J'ai une souris, c'est de la lave. J'ai un micro, c'est pas de la lave, malheureusement. Et j'ai un écran. Attends, mais mon écran, il est éclaté, en fait. J'ai oublié d'améliorer mon écran depuis le début. J'ai un double écran, un écran haut, en bas. Gros, depuis le début, j'ai un écran, il est minuscule éclaté. J'ai totalement oublié de le faire. Mais bon, je vais pas aller l'acheter tout de suite, parce que pendant que je suis en train d'éditer mes vidéos et qu'il y a une partie qui vient de se lancer, on va atteindre le palier symbolique des 100 millions d'abonnés. C'est fait, les gars, on l'a fait, 100 millions d'abonnés pour seulement 179 millions de vues. Ça veut dire que actuellement, les gars, sur cette chaîne YouTube, je devrais avoir 150 millions d'abonnés si c'était dans cette logique de YouTuber Tycoon. Mais bon, ça vous empêche pas de vous abonner du coup pour attraper l'écart, hein, et peut-être qu'on y arrivera si tous ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne maintenant. Après, je dis ça, je dis rien. En attendant, ici, on va prendre directement notre argent et on va aller s'acheter du coup un écran de fou furieux parce qu'on a totalement oublié. Regardez, il est juste là et du coup cet écran il coûte 600 000 et là paf, ah oui, c'est plus la même chose d'un coup. Et ensuite, il me restera plus qu'à améliorer mon setup ici à 2 300 000. Oh, et si on faisait un petit stream pour changer d'ailleurs? On gagne combien? On gagne 10 000 abonnés par seconde sur stream. Ça, ça a changé. Allez, on était à 10 abonnés, maintenant on est à 10 000. Je sais pas si c'est quoi le plus rentable, mais en tout cas, on est là, les gars. Est-ce qu'on peut bouger? Non, on peut pas bouger. Ah, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas bouger et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc, on va en fait rester en vidéo YouTube parce que en plus de pouvoir faire des vidéos, là, on peut faire des selfies et vous voyez qu'on gagne plus de 100 000 abonnés par selfie, donc vraiment ça vaut le coup. Par contre, c'est normal que je suis en train d'éditer les vidéos à l'envers là. Mes ah, t'inquiète, moi aussi. Moi aussi, les gars, c'est une technique. Du coup, à partir de maintenant, cette vidéo sera à l'envers pour que vous puissiez voir la vidéo à l'endroit sur l'écran. Je pense que c'est la meilleure des techniques, donc vous inquiétez pas, ça peut paraître bizarre, mais vous allez vous y faire. Non, je rigole. Alors, remets à l'endroit le monteur. Non, abuse. En tout cas, on a passé la barre des 100 millions d'abonnés et là, normalement, juste après cette vidéo, je vais avoir de quoi pouvoir m'acheter le dernier composant pour que mon PC soit incroyable. Du coup, on va aller s'acheter ce bureau. Et regardez, on passe d'un carton, les gars, à un PC. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique, les gars. C'est splendide. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Regardez ce qu'il y a juste devant, les gars. C'est magnifique. Le bureau, il est animé et tout. C'est ça qu'on veut. Et là, maintenant, on peut faire des montages incroyables. Bon, même s'ils sont toujours à l'envers. Mais ça, c'est un autre débat. Et bien, maintenant qu'on a notre setup au maximum, est-ce que ça serait pas le moment de mettre notre maison aussi au maximum? Parce que pour le coup, il me reste encore des petites étapes à faire, je crois. Attends, Zodiac, est-ce que t'as vu là? T'es en train de te faire dépasser en abonnés là? Ah ouais, merde. Robson, il est trop chaud là. Il est vraiment trop chaud. Comment il fait pour aller plus vite que moi? Je suis en train de full edit depuis tout à l'heure. Je sais pas, est-ce que t'as amélioré ta connexion au maximum? T'as tout fait? Ouais. C'est trop bizarre. Oh, attendez, les gars, en tant que vrai youtubeur influenceur, je m'achète des NFT. Les gars, voilà, j'ai une collection d'NFT, les gars. N'hésitez pas, je voulais revendre pour seulement 1 million de dollars unité. Franchement, ça se fait. Ici, on a rendu notre maison au maximum. On peut voir que voilà, j'ai un bon setup. J'aime bien. Ici, en plus, il y a une petite fête qui a lieu. Let's go, les gars. Ici, je peux m'acheter des armes, mais pour le coup, on va pas faire la guerre. Et ici, j'ai même plus d'argent pour m'acheter un toit. Non, mais attendez, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour la banane. On va aller juste ici, s'acheter tout ça. Voilà, maintenant, on a de l'argent et on s'achète notre petit toit. Et ici, on peut s'acheter un hélipad pour accueillir notre hélicoptère à 1 250 000 dollars. Eh bien, comme n'importe quelle fin de Tycoon, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on va se terminer. Donc, on va bien speedrun pour gagner le plus d'argent possible et essayer de monter en attendant au plus grand nombre d'abonnés possible. Et je te propose aussi, Zodiac, de ton côté aussi, tu t'achètes ce petit hélipad pour qu'on termine la vidéo ensemble dans les airs. Vas-y. J'arrive. En fait, il me faudrait 1 million, sauf que j'ai 67 000. Y'a pas quelqu'un qui veut faire une collab, là? Petit OP. Petit OP, là. Bon, et sinon, Zodiac, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite aventure? Perso, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs à faire tout le long de l'aventure. Et même si le record prend vraiment beaucoup de temps, le reste, franchement, était vraiment qualitatif. Et en vrai, il était trop bien. Il y a plein de trucs. En fait, il y avait énormément de choses différentes à faire, donc c'est vraiment un plaisir en vrai. Hein. Si jamais, de toute façon, les gars, il y a le code de la map qui s'affiche juste au-dessus de votre écran. Donc, n'hésitez pas à aller faire cette petite expérience seul ou avec vos amis. Et d'ailleurs, si jamais, en parlant de jouer avec vos amis,
amis, vous voulez vous amuser tout le long de Noël? Normalement, à l'heure où j'ai sorti cette vidéo, j'ai sorti une map Noël calendrier de l'Avent où tous les jours vous avez des nouveaux mini-jeux, vous apparaissez dans un village de Noël gigantesque avec plusieurs mondes et une tonne de choses à visiter, que ça soit pour combattre ou bien vous amuser avec des mini-jeux qui ne demandent pas d'être fort en PVP, il y a de tout dans ce monde et je vous mets le code juste ici si jamais vous voulez y jouer. En tout cas, moi j'y serai tous les jours et est-ce que j'ai le million? Non, j'ai presque le million, il me manque plus que 100 000 pour m'acheter l'hélicoptère. Et toi, Zodiac, ça se passe bien? 150 000 moi. Ok, parfait, bon, on va pouvoir se l'acheter en même temps et j'ai passé la barre des 130 millions d'abonnés en attendant. Hop là, un petit upload supplémentaire. Moi j'ai suffisamment d'argent maintenant, mon cher Zodiac, je pense que soit c'est pareil de ton côté. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ici, je vais juste un petit hacker histoire d'hacker le mec qui est derrière toi. Voilà, parce que faut pas abuser, il va quand même pas te dépasser en abonnés. Et en plus, il va te passer les 100 millions comme ça. Du coup, je vais acheter aussi le petit bouton des 100 millions d'abonnés. Bon, par contre, il y a les 500 millions là, mais les gars, c'est un petit peu trop loin pour moi. Ah bah, le mec est venu dans ma maison en mode frérot, qu'est-ce que tu joues? Pourquoi tu m'as hacké? Je suis désolé, frérot, c'était pas volontaire. Enfin, c'était totalement volontaire, ok, j'avoue. Ici, on va s'acheter une petite partie. Hop là, et on va acheter l'hélipad et on prend l'hélicoptère. Vas-y, Zodiac, fait de même. Ça me dit que j'ai pas assez de monnaie. Mais alors, oh, Zodiac, Mais je sais pas, je pense que. Bah, j'ai trollé. C'est bon. Ok, vas-y, dépêche-toi. Allez, c'est ciao. Et on s'envole. En plus, mec, j'ai récupéré l'autre gars avec moi. Et il y a Frobson qui est avec moi dans l'hélicoptère. Donc, ça y est, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette petite aventure YouTuber Tycoon. Au final, on n'aura pas réussi à avoir le nombre d'abonnés de MrBeast. En même temps, le mec, il monte beaucoup trop en termes d'abonnés. Vas-y, monte, viens. Je vais te montrer que c'est moi le king. En tout cas, ici, on va se laisser sur cette montée. Et oh, attends, il y a une île juste au-dessus, je savais pas. Oh, regarde, attends, c'est moi le king. Mais c'était ici qu'il y avait écrit YouTuber King. Il y a écrit Robson. Ouais. Tu t'es fait couiller. Allez, ça c'est le karma pour m'avoir caché que en fait, si on pouvait aller voir juste ici le truc. Allez, sur ce, il y a d'autres vidéos qui sont apparues, les gars. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller sur ma map Noël aussi. Et je vous laisse, ciao les gars.